Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous très très bien. Pour ma part, ça va nickel. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de relaxation sur un unboxing. Alors, qui dit unboxing dit collaboration. Je remercie énormément la marque Maono. Je vous mettrai le site en description. Maono m'a envoyé un petit colis et je remercie Maono énormément. Aujourd'hui, nous allons faire l'unboxing et le test de ce gentil C'est un site qui vient de Chine, il me semble, et il propose plein de, enfin, il propose diverses choses comme des microphones, des tables de mixage, tout ça. Et aujourd'hui, Maono m'a envoyé un petit microphone qui m'a l'air fort sympathique. Ça vous le test de micro, et de toute façon j'ai mis la marque du micro dans le titre, et c'est à vous de me dire dans les commentaires comment vous trouvez. D'habitude, j'ai pris un petit couteau pour faire l'unboxing au lieu du ciseau. Et si ce micro a une excellente qualité, je vais m'en servir pour mes vidéos sur PC. Je suis en train de déballer le colis. Alors déjà, on va voir si c'est bien ça, mais normalement ça doit être ça. J'ai mis une semaine pour l'avoir. Petit microphone à
C'est bien le plan qu'il m'a envoyé. À mon avis, c'est que les. C'est toutes les mêmes boîtes, mais sauf c'est le plan qu'il m'a envoyé. Oh, c'est encore mieux. Ça change que du noir. C'est long, ça c'est bien. Le câble il est assez long. Et il ressemble à ça le micro. Vous êtes prêts? Attention. Ça. Petit microphone Maono. D'accord, ok. Ça c'est pour le visser. C'est d'une bonne qualité. Le pied en métal. Bon, ça on va pas l'enlever. Si, allez, on va l'enlever. J'irai chercher mon casque pour écouter le son qu'il a. Voilà à quoi ressemble le micro. Avec la grille qui s'allume, le petit volume en dessous il y a pour régler la lumière, le casque et l'USB-C. Tu peux le mettre comme ça, comme ça, comme ça. Je vais le prendre à la main parce que sur ma table, c'est trop petit. Je vais chercher mon casque, j'arrive. Alors ce qu'on va faire, on va allumer l'ordinateur. On va allumer l'ordinateur et le brancher. Je le branche avec vous. Et on va finir la vidéo avec le nouveau.
assez longues vidéos. J'ai mis du temps avant de faire l'unboxing, mais vous aimez bien les longues vidéos. Mais en soi, en blanc, il est pas mal. Dites-moi ce que vous en pensez par commentaire avec le signe Mauno. Ah là, il y a un petit signe. J'ai bien fait de recharger l'ordinateur, il n'y avait plus de batterie. Alors c'est parti, on va déjà brancher le câble USB. Ça fait longtemps que je n'ai pas allumé l'ordinateur. Ah, la mouche a fait chier. Maintenant, je parle avec le son, enfin, je parle avec le micro, excusez-moi, Mauno TM30 RGB. Alors, dans mon casque, c'est nickel chrome. Sur mon ordinateur, il n'y a pas trop d'intensité, mais j'essaierai de monter le son. Mais ça s'allume en rouge. Je vais pas trop le porter parce qu'il a une sensibilité assez haute. Mais je prendrai en vidéo en arrière-plan pour que vous puissiez voir les lumières qu'il fait. Alors là, je parle près du micro. On n'entend pas les pop, 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 pop. Enfin, tu me diras, il y a un filtre anti-pop déjà dedans. On va essayer de changer la lumière, voir ce que ça fait. De toute façon, je vous mettrai là. Bon, je vous mettrai ça hors vidéo, enfin en arrière-plan, en amont. Et ouais, il a un son super clean. Là, j'augmente le son. Là, j'ai augmenté le son. Je sais pas si j'ai augmenté le son du micro ou de mes oreillettes, mais je crois que c'est dans mon casque. On va faire un peu de trigger, mais le son, il est super classe. Vous pourrez trouver ce micro pour 50 euros, 30 euros ou 50 euros, il me semble, à peu près, ouais. Et puis voilà. Si vous souhaitez vous procurer ce micro, je vous mettrai le site en description. On va faire un peu de tapping, mais il est super nickel. Enfin, il est nickel ce micro. Ça donne le tapping sur ce petit micro Mauno. Oh ouais, je kiffe le son, il est super net. Il n'y a même pas de bruit de fond, il n'y a rien. Petit tapping rapide, tapping lent. Par contre, je ne sais pas si elle binaural. Je ne sais pas, comme c'est marqué en anglais. Il est super, super. Regardez comme là je parle près du micro, désolé, on voit pas trop bien parce que le micro est petit. Là je parle super proche du micro et on n'entend pas les pop. On va faire un peu de froissement de papier. Comme là il s'allume en rouge, mais en arrière-plan, je vous ai mis la vidéo. La vidéo comme pour vous montrer les lumières. Ouais, nickel, nickel, nickel. Je remercie encore Mauno de m'avoir envoyé ce petit micro. Petit tapping avec les ongles sur le micro. Enfin, sur le couteau, excusez-moi.
arrêté là pour ce test. Il est insane. Et en plus, il s'allume. Et tout ce qui fait de la couleur, de la lumière, j'adore ça. Je suis fan de RGB, tout ça. Bon, ben voilà. On va se laisser là sur ce petit tapping. En espérant que ça vous aura plu. Alors, dites-moi si Alpine aura là, mais je ne pense pas. Alors, j'espère que c'est plutôt vous aura plu. Merci encore une fois, Mauno. Faut que je la prépare. Mais promis, après c'est là que vous aurez la vidéo d'une heure.